Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'HP Hour. Nous sommes le Lensing Fenset Jeune, je suis ravi de vous retrouver. Je voulais vous préciser que ce mercredi 1er juillet, Elodie, mais oui, ce sera la journée mondiale du reggae, donc on avait envie de rester un petit peu dans le thème de la musique. Et nous avons invité notre ami Raphaël. Bienvenue Raphaël. C'est un retour, puisque Raphaël était venu nous voir il y a quelques mois pour nous parler de AL Music. Donc, le retour donc pour nous parler de dates de concert, de stage également, et puis de retracer un petit peu l'historique de l'association pour les gens qui n'ont pas vu la première émission. Bonjour Virginie, tu es là. Bonjour. Aussi. Bonjour. Eh oui. Comment ça va? Ça va bien. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui? Donc je vais vous présenter la marque Unique de make-up, donc une marque haut de gamme américaine arrivée en France depuis mars. Voilà, dont le nom m'a beaucoup fait rire. Voilà, bande de Uniqueurs. Voilà, c'est ça. Et ah oui, avec toi, donc c'est la thématique reggae, on a dit. Oui, reggae, ouais. Oui, mais avec quoi? Ah, pardon. J'aimerais bien savoir. Un headband à fleurs. D'accord, donc un bandeau de tête pour ceux qui ne parlent pas anglais. On salue notre amie Claire que l'on retrouvera en fin d'émission puisqu'elle nous donnera la recette du brownie. Et oui, nous allons encore manger. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, tout de suite, on se retrouve avec Elo, justement, pour découvrir ce magnifique headband à fleurs. Ce sera juste après son jingle, c'est parti. Pour avoir un headband à fleurs, il vous faut un élastique. Donc, il est très mal découpé, mais après on peut le décorer avec du foulard. Moi j'avais pris du foulard violet et du foulard rose parce que ça fait très girly et très frais. Ce foulard sera utilisé pour faire les fleurs. Et donc du fil de la même couleur que le foulard, ou qu'un des deux, donc pas le même si vous voulez pas, au final vous faites ce que vous voulez. Et un ciseau, parce qu'il faut découper. Le plus compliqué dans le headband à fleurs, c'est de faire les fleurs, parce qu'au final, après, il faut juste coudre les fleurs sur l'élastique, et c'est pas ça le plus compliqué. Donc pour faire les fleurs, il vous faut découper une bande d'environ 70 cm de long et environ 4 ou 5 cm de large. Vous avez deux choix pour faire votre fleur. Soit vous prenez la bande de tissu que vous pliez en deux et que vous cousez les bords entre eux. Cousez, t'aimes pas? Non, à chaque fois, je me dis, est-ce que ça se dit vraiment? Oui, je trouve ça tellement moche que. Oui, c'est moche, mais ouais. Il faut coudre les deux bords, je préfère dire ça. Les deux bords entre eux. Mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez que votre fleur soit un peu fofolle, foufou, tout ça. Pour faire la fleur, c'est très simple. Donc vous prenez votre tissu que vous pliez donc un coin sur le bord. Un coin? Pardon. Ok. Et ensuite, en fait, après, vous pliez le tissu sur lui-même. Vous le repliez sur lui-même. Et vous devez coudre. Je ne conjuguerai jamais ce verbe. Vous devez coudre le cœur de la fleur. Donc. Je vous rappelle que la fiche technique sera disponible sur la page Piawer afin de comprendre mieux. Parce que moi, personnellement, je suis larguée. C'est simple. Regarde, oui, non, mais tu prends ton truc et tu le plies sur lui-même. Tu vois? Et après, tu couds le cœur. Et tu fais ça à chaque fois. Tu le plies sur lui-même. Et après, il faut que tu le travailles toi. On va te laisser faire, comme ça on va... Mais oui, mais en même temps, les gens ils sont plus doués que toi. Donc oui, mais ça, je n'en ai aucun doute. Donc on laisse faire Elo sur son travail de fleurs et on verra juste après la chronique de Virginie où tu en es, d'accord? D'accord. Le résultat final, autant dire, c'est ce qui nous intéresse. Oui. Allez, tout de suite, on passe à la rubrique de Virginie qui va nous parler cette semaine de... De Unique, donc cette nouvelle marque de make-up arrivée en France. Voilà, avec laquelle tu es maquillée aujourd'hui? Voilà, depuis ce matin, 8h. Je ne t'avais pas reconnu. T'as vu ça quand même. Ça sera juste après le jingle de Virginie qu'on découvrira sa chronique tous ensemble. On y va. Alors, 4 avantages à acheter cette marque. Déjà, le premier, c'est que c'est uniquement avec des produits naturels, non chimiques, hypoallergènes et sans parabènes, toutes ces choses-là. Ce n'est pas testé sur les animaux. Et en plus, la marque soutient une asso qui protège les femmes et les enfants abusés. D'accord. Donc ça, rien que pour ça, moi, j'achète.
Donc c'est une marque plutôt haut de gamme, on va dire, moyenne et haut de gamme. Donc les tarifs peuvent être plus ou moins chers. Ah ouais. Tout dépend du budget qu'accorde chaque femme à... C'est une ligne exclusivement féminine de produits pour femmes. Et une majorité. Après, c'est en train de se développer. Donc, progressivement, ça arrive aussi sur la make-up pour hommes. Mais après, il y a la bébé crème qui est accessible aux deux. Je vais vous présenter le maquillage utilisé. Parce qu'ils ont quand même une originalité sur chacun des produits. Donc là, on a le fond de teint qui se sert, qui s'utilise sous forme de pipette. Donc, vous... Mais je te vois avec ton regard, là. mais c'est fou. Plutôt économique, puisque sur un pinceau comme celui-ci, donc vous voyez, il y a un trou au milieu. Oui. Voilà. Donc, hop, tu pompes sur ta pipette, tu poses. On va faire le test sur la main. Ouais. Donc tu poses par exemple 2 gouttes, ça suffit. Hop. Et à mettre là. Donc tu fais comme ça. Voilà. Et ça donne un effet poudré, teinté. Hyper léger sur la peau. Moi franchement, je le sens pas depuis ce matin. Et il sent bon. Ça sent bon, ouais. Ça sent vachement bon. Ouais. Et donc là, on le met sur la main, mais à savoir que pour me faire le visage, par exemple, je mets que 6 gouttes. Donc hyper économique. Et en plus, il a un effet poudré qui vous évite de rajouter de la poudre si vous n'en voulez pas. C'est le produit phare qui présente cette année. Donc c'est le mascara effet 3D. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un mascara qui vous donne, si vous mettez 2 couches, alors moi j'en ai mis qu'une parce que sinon vous avez l'effet fossile, hyper accentué. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais voilà. Donc après 10 heures de tenue, je l'ai encore, le fond de teint c'est pareil, j'ai pas fait une retouche. Donc vous avez, il s'applique en 2 étapes. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un gel transparent qui vous courbe les cils et qui les espace. Et après, vous avez... Ah, donc il te faut les 2 produits. Oui. Ouais. Donc tu passes ton mascara transparent, puis, un gel. Ouais. Tu passes ça, en fait, c'est... vous regardez, c'est comme des petites fibres dessus. Et donc ça, vous le mettez au bout des cils. Et vous recouvrez du gel une seconde fois pour fixer. Voilà. Ça donne un effet plutôt sympa, ça tient bien. Le seul inconvénient, je trouve, c'est que quand on est pressé le matin, poser son mascara en 3 étapes, ça peut être un peu long. Ouais. C'est un truc qu'il faut réserver pour les soirées ou voilà. Pour un petit peu les cérémonies ou les trucs un peu exceptionnels, quoi, parce que sinon, effectivement, c'est un peu long. Le crayon noir. Qui existe aussi en 10 teintes, super sympa. Bon, j'ai pas le catalogue, mais super sympa. On vous donnera le lien pour que vous puissiez aller voir. Il est onctueux, donc il s'étale super bien. Vous pouvez faire le trait plus ou moins épais selon ce que vous voulez. Et il est waterproof, donc plutôt pratique. D'accord. Et après, alors moi, c'est mon chouchou. C'est, alors on parle plus de gloss ou de rouge à lèvres, on parle de encre à lèvres. Mon Dieu. Donc qui est... Mais où va-t-on ? Qui existe en 7 teintes au choix, pareil, super sympa. Mais 7 teintes en dégradé de rouge ou toute teinte ? Non, toute teinte. Toute teinte, d'accord. Vous avez dans les orangés, dans les plus marron top, enfin... D'accord. Et donc qui tient super bien. Aussi, donc le principe c'est que déjà vous allez voir, c'est même pas comme un gloss, c'est comme une petite brosse, vous voyez, ouais. Avec le liquide. Et donc je vous fais la démo, ouais. Oui, quand même, oui. Voilà, alors on recouvre comme ça, donc ah, on peut le mettre en une couche ou deux, il sèche hyper vite. Et puis alors par contre, faut pas se louper. Parce que ça s'efface pas. D'accord. Ok. Donc on se le passe comme je viens de faire. Ouais. Et après on s'hydrate avec un baume à lèvres transparent. Un beurre cacao, quelque chose comme ça. Ou une petite crème hydratante. Et voilà, il tient super bien. Ça sèche de suite. Ça fait pas de traces. Ni comme sur les après, vêtements. Ouais. Voilà.
Ah ouais, ah non, mais c'est génial. Enfin, c'est génial. Vraiment. Je la mettrai pas tous les jours personnellement, mais ouais, non, c'est non, pas ça, mal. Ça, c'est vraiment mon chouchou, quoi. Et, vaut mieux et tu dis, excuse-moi, tu dis que c'est que avec des produits naturels. Ouais. Alors, ouais. D'où nous viennent ces produits, Virginie? Donc, c'est Stéphanie, conseillère en beauté de la marque, qui les propose. Donc, il y a différentes solutions de se les procurer, soit sur son site directement. Vous avez le nom, le lien pour le site qui s'inscrit en bas de votre écran. Stéphanie qui habite À Orgue. Donc qui est du coin, c'est pour ça qu'on en parle, c'est voilà. Complètement local. Soit sur depuis sa page Facebook ou par téléphone, voilà. Toutes les coordonnées s'inscrivent actuellement sur vos petits écrans ou vos tablettes. Donc en la contactant, vous pouvez vous diriger directement chez elle ou elle propose aussi des réunions entre copines. Style réunion du Perroir. Voilà. Tupperware, pardon, je l'ai mal dit, donc, c'est clair, je me ferai, ouais. Tupperware. Après, sur la page Facebook, vous avez des démos, vidéos et photos, avant, après, et puis lors des réunions, vous venez sans maquillage et vous pouvez essayer les produits directement sur vous. Eh bien, merci beaucoup Virginie, on va voir où en est Hello dans quelques minutes, et puis nous discuterons avec notre ami Raphaël qui est revenu de nous voir pour cette fin de saison. Alors, Hello, ah, c'est réussi, qu'est-ce que vous en pensez, ouais, les filles? Super, très sympa. Et après, vous pouvez décorer l'élastique, au lieu de le laisser blanc, avec un foulard de la même teinte que les roses, enfin que les fleurs, en l'enroulant et en faisant une petite couture, quelques points. Magnifique, vous êtes bravo, pour, tous les c'est validé, validé. Allez, on passe maintenant à la partie que nous préférons, c'est la partie invitée d'ailleurs, juste après ce jingle du même nom. Alors cette semaine, nous allons parler musique, nous recevons Raphaël, rebonjour Raphaël, qui vient, alors Raphaël de AL Musique, on peut peut-être rappeler aux gens ou à ceux qui découvrent, qui ne t'avaient pas vu lors de la précédente émission, ce qu'est AL Musique. Alors, c'est une auto-entreprise que j'ai créée il y a 2 ans à Bagnères-de-Bigorre, dans laquelle je propose essentiellement des cours de piano et chant, mais aussi des ateliers pour enfants, ados, adultes, tous âges, donc de 4 à 97 ans et plus. Si affinité. Si affinité. Donc, des ateliers de chorale, des ateliers de comédie musicale. Également, je propose des stages, justement, c'est un peu pour ça que je suis venue. Oui. Et voilà, et donc là, récemment, on a. Donc, pour cette fin d'année, on a fait plusieurs spectacles et il y en a encore un à venir. Le mercredi 29 juin, on va présenter également une petite audition donc dans mes locaux à Bagnères, une petite audition d'élèves qui se terminera par un petit apéritif dînatoire pour finir l'année. Mais ce n'est que l'année des élèves puisqu'ils partent en vacances. Ouais. Mais pour les vacances, il va y avoir plein de belles propositions. Alors, musicales. Justement, parlons-en, qu'est-ce qui sera prévu pour ces vacances d'été? Si vous êtes en vacances mais que vous ne partez pas, vous aurez l'occasion effectivement de profiter de ces stages. On va parler des dates et on parlera des contenus après voilà, pour donner envie à ceux qui nous regardent. Voilà. Alors, donc, il y a plutôt des ateliers pour enfants, j'appelle ça les ateliers récréatifs du samedi. Donc 4 samedis, bon peut-être les dates s'afficheront, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Donc c'est des ateliers de 2 heures proposés aux enfants, dans lesquels ils peuvent pratiquer le chant, le rythme et donc une pratique collective, entre guillemets, orchestrale. Voilà, aux enfants de 7 à 11 ans. D'accord. Ensuite, je propose des ateliers de chant choral, qui est destiné à tous les gens qui ont envie de venir, les curistes, les touristes. C'est le soir, donc de 20h30 à 22h30, donc c'est 2 heures sur 5 jours. Voilà, les dates s'inscrivent en bas de votre écran. Voilà. C'est-à-dire que donc là, on peut venir, Raphaël, même si on a... aucune pratique, on n'a jamais eu aucune pratique. Voilà, alors mon principe, je suis une école de musique. Donc le but, c'est d'apprendre. Voilà, donc j'accepte les gens qui ont de l'expérience, puisque s'ils ont envie de partager, puisque ces gens qui ont de l'expérience peuvent transmettre, rassurer, encourager ceux qui débutent. Ouais. Voilà, c'est un peu mon principe. Donc d'échange, un principe d'échange. C'est un principe d'échange, et donc moi je m'adapte au niveau du groupe. L'objectif étant de faire du chant choral et de proposer des techniques, des bases, de techniques vocales, postures, bon, qui peut servir dans différents domaines, hein, dans tous les domaines d'ailleurs, de la parole, etc. Oui, de prise de parole en public. Voilà. Bon, enfin là, c'est quand même l'objectif de chanter oui, en choral. Là, oui. Alors à 2 voix, à
trois voix, enfin en fonction des gens qui sont là, de leurs attentes, le répertoire est varié. Et ensuite, je collabore avec, donc d'abord avec un ami de longue date, qui est spécialisé dans la pédagogie de l'enseignement. D'accord. Et donc on va proposer un stage d'initiation au solfège, en particulier par la méthode Martenot, qui est en lien, c'est une transmission du savoir par le plaisir, la gestuelle. D'accord. Et la mise en pratique immédiate de tout ce qui est écriture musicale. Donc c'est une initiation au solfège, mise en pratique collectivement et individuellement. On va passer par une découverte d'instruments à percussion, et moi je vais travailler sur plutôt la lecture solfégique, lecture chantée. Donc même chose, en mettant tout de suite en application tout ce qu'on déchiffre sur partition, essayer tout de suite de le chanter, l'objectif étant d'arriver à faire des deuxièmes voix soi-même, d'essayer de trouver des deuxièmes voix, et puis de collectivement de créer un morceau ou plusieurs morceaux, là c'est plutôt plusieurs chansons. Quand tu dis des deuxièmes voix, pour expliquer aux gens, c'est ce qu'on appelle des tierces, c'est ça? Ou pas nécessairement, ça peut être autre chose, ça peut être du canon, ça peut être un ostinato plutôt rythmique, c'est l'idée des chœurs, oui, ouais. Mais bon voilà, ça peut prendre différentes formes, donc le but c'est de, à partir d'une chanson assez simple, de pouvoir l'harmoniser tous ensemble, et l'objectif final, donc avec tous ces instruments à percussion, l'objectif final c'est que les gens puissent s'initier au solfège rythmique et chanter, et ensuite on ira en studio, puisqu'il a un studio, David Lévy, mon collaborateur, et on ira enregistrer en studio le résultat de notre travail. D'accord, ça c'est génial, donc voilà. c'est un projet complet. C'est un projet complet, mais qui passe quand même par une initiation au solfège. Ouais. Voilà, d'accord. Donc je dis bien initiation. Oui. Voilà, c'est-à-dire que on demande pas à des gens qui savent déjà lire couramment la musique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un stage qui aura lieu le 29 juillet, le 30 et le 31, donc du vendredi soir au dimanche soir. Oui. L'autre stage que je fais en collaboration avec une sophrologue relaxologue, qui se trouve être également ma sœur. Et qui est Aurélie. Et qui est Aurélie. Que nous avions reçu, rappelez-vous. Quelques temps, je ne sais plus. Oui, un peu plus d'un mois avec l'association Asso au bureau, qui est venue avec Carole, et que l'on salue. Voilà. Et donc, oser savoir, oser être soi, et surtout destiné, c'est un stage plutôt bien-être, qui est destiné à, en particulier aux gens qui n'osent pas chanter et qui en ont toujours rêvé. Alors il y a aussi des gens qui chantent déjà et qui peut-être, alors les différents aspects c'est chant, relaxologie, sophrologie, danse traditionnelle, parce que le soir ça sera d'éveiller autour de la danse traditionnelle, puisque ma sœur et moi jouons dans un groupe de bal folk, il y aura apprentissage de danse collective ou en couple traditionnel. Donc tu parles de veiller et tout ça, ça veut dire que là il y a un hébergement de prévu, c'est vrai? Alors voilà, ça va se passer, là on a trouvé un site magnifique en Aveyron, sur l'Écosse. Donc dans une ferme, c'est un gîte qui s'appelle la ferme de la Blaquière, le gîte de l'Arquinelle. Donc en pension complète, avec une cuisine locale proposée par les gens qui nous hébergent. Donc c'est pension complète, donc avec tous les repas, le logement. Ça aura lieu du 26 août à 19h au 28 août à 17h. Est-ce qu'on a quel délai il y a pour vous prévenir, tu vois, pour s'inscrire? Alors là, les inscriptions pour ce stage, oser savoir, oser être soi, c'est jusqu'au 1er juillet. D'accord. Voilà. Il reste pas longtemps là. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à mercredi, jeudi là pour vous inscrire. Voilà. Même si c'est pédagogique, il y a des apprentissages, etc. Je transmets des techniques, mais ce n'est pas un cours de technique pure. C'est pas un conservatoire. L'objectif, c'est de créer quelque chose qui peut être enregistré, même dans le chant choral, les stages de chant choral. Et d'avoir un résultat qui soit convenable, mais adapté au niveau des gens qui sont là, à leurs objectifs à eux. Le but, c'est surtout qu'on se fasse plaisir et qu'on avance ensemble vers quelque chose de beau, d'agréable et de plaisant. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu donc des groupes, parce que on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc déjà le 29 juin à Bagnères de Bigorre dans mes locaux, il va y avoir donc la petite audition de mes élèves, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite alors moi j'ai deux formations à l'heure actuelle, donc je joue seul des reprises et des compositions, en tant qu'AL. Voilà, piano et chant, c'est de la chanson française, reprise et compo. Il y avait Bobby Lapointe. À l'hôpital d'Astug, alors parce que je travaille aussi en partenariat avec les hôpitaux, je suis en train de développer ça.
Donc à l'hôpital d'Astug qui se trouve dans la montagne près de Bagnères, je vais aller chanter pour les patients donc le 9 juillet à 14h30, donc je crois que c'est ouvert. Ensuite, pour le groupe Bouillon Blanc, groupe de bal folk, nous proposons deux formules, des concerts ou bien des bal folk. Donc on peut transmettre les danses, donc faire un petit stage d'initiation aux danses l'après-midi, et après les gens comme ça peuvent danser le soir, mais au cours du bal, on peut aussi transmettre les danses. D'accord, voilà, ça c'est sympa aussi comme voilà. Alors, le bal folk, ce qui est sympa, c'est que c'est intergénérationnel. Alors, pour Bouillon Blanc, nous avons donc joué le 11 juin à Bagnères de Bigorre, et fort de cette expérience, nous allons rejouer sur un autre marché, celui de Saint-Lary, le 2 juillet. Voilà, donc le nom du groupe, c'est Bouillon Blanc, et nous sommes en quête de date, évidemment. Voilà, donc si vous êtes programmateur ou municipalité, etc., n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons suivre à Raphaël, ou via ta page Facebook, parce que tu as une page Facebook également. Oui, donc on peut te contacter pour tout, aussi bien pour les concerts, Bouillon Blanc, etc., que pour Raël Musique, et voilà, pour les stages. Écoutez, pour l'ensemble de ces contacts-là, vous pouvez passer par notre page Facebook ou par celle de Raphaël, qui est en train de s'inscrire en bas de votre écran. Voilà, merci beaucoup Raphaël d'être merci venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Rendre visite. Et tout de suite, puisqu'il se fait faim, nous allons nous transposer, nous téléporter en cuisine pour rejoindre notre amie Claire qui va nous présenter sa recette des brownies. C'est parti. Hello. Hello. Claire, notre invité Raphaël. Bonjour. Et bon, le brownie, est-ce que tu connais? Alors, on vient te voir en cuisine, car aujourd'hui, on a une recette de brownie, c'est ça? Voilà, c'est ça, une recette de brownie que j'ai déjà faite à la maison, mais je vais vous expliquer comment on peut la faire. Pour que vous puissiez la faire chez vous. Exactement. Donc, les brownies, c'est un gâteau qui est américain à l'origine, et qui est composé, vous allez voir les photos des ingrédients qui vont apparaître à l'écran en dessous. Donc vous avez de la farine, que l'on dit. Oh, aucune idée. Bonne question. Flour. Flour, good. Flour. Quelle feuille. Flour. Ouais. Ça se prononce comme une fleur. Ouais. Flour. Ah mais ça s'écrit flavour. Non, ça s'écrit lourd. Ça, voilà, ça s'écrit comme ça, mais ça se prononce flour. Ensuite vous avez du sucre. Chocolat. Ok. Du beurre. Butter. Ok. Tu le dis comment? Butter. Du chocolat. Ah, chocolate. Non, chocolate. Non. Non. C'est quoi? Chocolate. 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 Ah oui, on dit pas. Chocolate. Oui, oui. Chocolate. Chocolate. Il me semble que j'ai rien oublié. Et ici les noix. Ah, et les noix. Walnut. 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 Donc sans les noix. Juste. Alors, note, c'est générique. Ah, c'est, ça comprend les noix, les noisettes, les amandes et tout ça. Enfin, c'est tout ce qui est. C'est les fleurs à, les fruits à coque. Voilà, exactement. Et il y a pas de eggs. Et. Yes! Ah. Of course! And eggs. 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 Ah, mais yes. Si! Alors. Il manquait un truc. Voilà. Et des œufs. Donc, il faut tout mélanger ensemble. Il n'y a pas forcément d'ordre. Dans certaines recettes, on va vous dire de mélanger plutôt le sucre et les œufs ensemble. Dans d'autres, vous mettez sucre, farine. Vous le faites... Combien il faut d'œufs? Alors, 3 eggs. Combien de 100 grams of flour, 100 grammes. 100 grams of sugar. Mais les quantités, ça s'écrit, voilà, on l'a dit. Voilà, ça s'écrira au-dessous. Flour, sugar, eggs, chocolate. 200 grams of chocolate. 200 grammes. 200 grammes. Vous mélangez tout, vous faites fondre chocolat et beurre ensemble. Non, chocolate et beurre. Au bain-marie ? Oui, ou au micro-ondes. Ou au micro-ondes. Ou au micro-ondes. Bah, ça marche vachement bien au micro-ondes. Voilà. Ah, franchement, c'est vachement plus pratique et puis t'as pas la casserole à nettoyer. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est pas bon pour la fenêtre. Voilà, ça c'est dit. Une c'est fois ça. Que vous avez tout mélangé, vous le mettez dans un moule. Alors, la tradition veut que quand on fait un brownie, ne jamais prendre d'un moule rond, ça ne se fait pas. Prendre soit un moule carré, soit un moule rectangulaire. Je n'ai pas de moule rectangulaire, donc j'ai pas un moule carré, donc j'ai pas un moule rectangulaire. Que voici. Vous mettez au four et ensuite vous laissez cuire à peu près 25 minutes. Je le prends depuis tout à l'heure. Voilà. Et une fois qu'il est cuit, vous le coupez et on le coupe en carré. Ça se coupe en petits carrés. Pourquoi? Parce que la forme elle est carrée, donc vous voulez des petits carrés. D'accord. Et oui, mais juste c'est rectangle. Ça fait des petits rectangles. Voilà, et après vous pouvez le manger, c'est très bon avec du café. Oui, c'est vrai. Avec un petit café, c'est... Oh, d'ailleurs, là, j'en ai un petit, là. Yeah, a cup of tea. A cup of tea. A cup of tea.
emporter. Et après, vous pouvez déguster. Donc, ça donne ceci. Mmh. Alors, pour ce qui est des noix, soit vous pouvez les mettre carrément les demi-cerneaux de noix entiers. Ouais. Moi, je les ai un petit peu coupés, mais très très grossièrement, histoire de pas trop se casser les dents. Et c'est des noix normales ou des noix de... Alors, moi, j'ai mis des noix, pécan. Des noix françaises. Aux États-Unis, ils mettent beaucoup de noix de pécan et de noix de macadamia. Ouais, c'est très bon. Voilà, ça, c'est très très bon aussi. On peut mettre après ce qu'on veut et... ou ne rien mettre si vous avez des allergies aux noix. Ça peut aussi... le gâteau. Le gâteau au chocolat. Donc, nous, il est déjà cuit parce qu'ici, on a le budget de la Tchétchénie, donc on n'a pas de quoi avoir un four. Donc, là, je l'ai fait à la maison. Voilà. Mais vous avez vu qu'ils se sont affichés toutes. Tous les ingrédients et les étapes au fur et à mesure qui sont affichés sur votre écran. Mais c'est ça. Alors, sur ces bonnes nouvelles, les amis, pendant que nous goûtons, nous allons nous quitter. Là, c'est déjà l'heure de nous séparer. Mais j'ai envie de vous dire qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec qui ? Avec Sophie de EcoGaz. Vous verrez, c'était un projet tout à fait intéressant. Elle viendra nous en parler. D'ici là, bonne semaine à tous. Un grand merci à Raphaël qui est revenu nous voir et que vous pourrez suivre donc tout cet été. Et on se retrouve l'année prochaine. Salut !DIY d'aujourd'hui, donc le do it yourself ou fais-le toi-même, je vous propose un headband à fleurs parce que Steve trouve que ça fait reggae. Moi je trouve que ça fait hippie, mais on va le laisser croire ce qu'il veut. Oui, bon, c'était pour qu'il y ait une cohérence dans cette émission. Je fais comme je peux. Voilà. Donc, quel boulet alors, je t'assure. Mais c'est pas grave, puisque qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle a fini de couper, donc elle attend pour penser. Ouais. Parce qu'après, tu peux continuer à parler, mais c'est juste que... C'est la dernière, c'est bon. Là, je me fais engueuler, non mais heureusement c'est que... C'est filmé, ça ? Heureusement que je reviens plus, hein, j'ai envie de dire. Alors, toute l'émission est finie. Oh, dis donc. Barbie Bobo sur sa licorne, Ikea. Voilà, donc nous, il est tout fait, puisqu'ici, voilà. on a le budget... Il y a combien de temps limité. Après, vous regardez au four au fur et à mesure, voilà, vous surveillez.